Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience à propos du végétalisme et du végétarisme et ce que j'ai appris par moi-même en tant que naturopathe, ce que j'ai pu observer. Voilà. Donc je n'ai pas préparé cette vidéo, en fait j'ai un certain recul, j'ai été végétalienne. Et alors d'abord végétarienne pendant 2 ans, ensuite végétalienne pendant 3 ans, donc en tout et pour tout, je n'ai pas mangé de viande pendant 5 ans. Et ça fait depuis... j'ai commencé à remanger du fromage et de la viande en 2021. Et donc ça fait à peu près 3 ans que j'ai remangé de la viande, du fromage, enfin des produits venant des animaux. Et moi, cette expérience, en tout cas... m'a montré qu'on ne peut pas tous être végétalien ou végétarien, surtout végétalien, mais même végétarien, en fait. Par où commencer? J'ai pas préparé cette vidéo, j'ai quelques années de recul, et je préfère en parler de manière spontanée. D'ailleurs, avec vous, je partage un verre de vin, parce que je suis une très très grande amatrice de vin, très très grande, pas grande, j'aime beaucoup le vin rouge, voilà. Et là, c'était un moment de dégustation de vin rouge. Bref, reprenons la vidéo. Donc, moi j'ai commencé à être d'abord végétarienne, puis végétalienne, non pas parce que je n'aimais pas la viande, ou les produits venant des animaux, mais par conviction. Petit à petit, j'ai développé un engouement pour tout ce qui était en faveur des animaux. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas que je ne suis plus en faveur des animaux, attention, hein. C'est pas que d'un seul coup je suis devenue une méchante, assoiffée de sang, voilà. Non, 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 c'est juste que je me suis rendu compte que moi, personnellement, Roxane Gallardo, je ne pouvais pas être ni végétarienne, ni végétalienne. Donc, au départ, quand je suis devenue végétarienne, je me suis sentie très bien, je me suis sentie légère, etc. Voilà. Mais au bout d'un moment, je me sentais pas assez bien. J'ai commencé à sentir de la fatigue, à surtout perdre mon ancrage. Alors pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est que l'ancrage, c'est le fait d'être pleinement présent dans son corps et dans le moment présent, d'être dans la matière aussi. Moi qui déjà manque un petit peu d'ancrage, parce que dans ma constitution à moi, dans ma personnalité, dans mon énergie, je manque d'ancrage, je suis dans la lune, je suis dans le spirituel, dans le mental, dans l'intellect, beaucoup. Voilà, ça fait partie de ma personnalité. Eh bien, il s'est avéré qu'au fur et à mesure du temps, en n'ayant plus la viande, moi personnellement en tout cas, ça me faisait perdre mon ancrage. Au bout de 2 ans, je me sentais moins bien. Et pourtant, mon engouement pour la cause animale, mon engouement et puis mon investissement, grandissait toujours plus. Et si bien que je suis devenue, au bout de 2 ans, j'ai décidé, au bout d'un moment, d'être végétalienne, voire même végane. Et j'étais très heureuse, mentalement, ça m'épanouissait beaucoup. Et au début, même du végétalisme, j'ai ressenti à nouveau ce bien-être que j'ai eu quand je suis devenue végétarienne. Peut-être parce que du coup, je mangeais plus de fromage, j'avais moins de lourdeur, je me sentais moins lourde. J'étais légère. Et en fait, cette légèreté, au bout d'un moment, mais comme le moment où je suis devenue végétarienne au début, eh bien, m'a fait encore plus perdre mon ancrage parce que
moi j'ai particulièrement dans ma constitution personnelle, et ça c'est même génétique, hein, j'ai découvert après, et je vous raconterai, j'ai découvert après que ma maman aussi a eu des problèmes. Bon, j'en parlerai plus tard. Mais sur le coup, moi, je me suis pas rendu compte, en fait. Je me suis dit, mais c'est parce que, entre-temps, j'ai découvert que j'avais une candidose chronique, c'est-à-dire une prolifération anormale et disproportionnée du candida albicans, qui m'a fait me poser beaucoup de questions, réaménager beaucoup de choses dans ma vie. C'est, entre autres, une des choses qui m'a donné envie d'être... d'apprendre... la naturopathie, et puis de devenir naturopathe après, hein. Donc voilà. Et en fait, mais en fait, tout ça, ça se fait de manière très, 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 très progressive. C'est pas du jour au lendemain, je vais mal et je peux vraiment faire le lien entre mon végétalisme, mon végétarisme et mes problèmes de santé. Surtout qu'à côté, j'ai commencé mon entreprise, etc. J'avais beaucoup de stress, donc moi, j'ai cru que c'était ma candidose chronique, mon stress, mes traumas qui créaient un manque d'ancrage considérable et de plus en plus, au fur et à mesure, de désordres physiques jusqu'à avoir des désordres nerveux. Vraiment, mon système nerveux a été complètement mis à mal. Et moi, je me posais pas trop de questions là-dessus parce qu'en fait, en devenant d'abord végétarienne, puis végétalienne, je me suis rapprochée d'une communauté avec des gens qui l'étaient des fois depuis 20, 30, 40 ans et eux étaient en super bonne santé. Moi, j'ai croisé des véganes qui l'étaient depuis 20 ans et qui étaient marathoniens et qui avaient une santé de fer, quoi, qui étaient... Donc j'ai pas fait le rapprochement. Et je pensais que si je me sentais mal, c'est parce que j'étais trop stressée, que je n'arrivais pas à gérer mon stress. Moi, dans ma personnalité aussi, j'ai tendance à être stressée. J'ai tendance à être angoissée. J'ai beau être naturopathe, j'ai beau faire du coaching. C'est justement cet état de stress, ce mal-être qui peut m'habiter parfois de manière incontrôlable, parce que ça fait partie aussi de mon énergie, mon bagage émotionnel, etc. Disons que j'ai cru que c'était à cause de ça. Voilà. J'ai cru que je faisais pas les choses assez bien, que je mangeais trop de sucre, que voilà. Et finalement, au fur et à mesure, je me suis retrouvée à ne plus savoir quoi faire pour aller mieux. Et en 2021, je suis tombée enceinte. Et c'est pas pour parler de ma vie personnelle. Bon, j'ai dû avorter puisque j'étais pas avec la bonne personne. Je n'avais pas envie d'avoir un enfant à ce moment-là. Enfin, par contre, du coup, vous savez que quand on avorte, quand on décide de faire ce choix, on nous fait pas avorter du jour au lendemain. On nous laisse un temps de réflexion et puis il faut... Il y a un temps aussi pour prendre rendez-vous, pour rencontrer des professionnels de la santé, etc. Et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ce qui est un peu gênant d'ailleurs. Parce que en une ou deux semaines, il peut se passer tellement de choses dans le corps. En fait, tout votre corps vous dit garde-le, garde-le, garde-le. Et même quand la tête n'a pas envie, c'est compliqué. Enfin, toujours est-il que quand on est enceinte, on a un instinct encore plus, mais tellement plus fort que le mental, que les émotions, que tout. Tout est fait pour que vous soyez en bonne santé, pour que vous soyez en sécurité et que votre bébé le soit avant vous-même. Et en tombant enceinte, j'ai eu des envies carabinées. Quand je vous dis carabinées, bon, je vous expliquerai un peu plus tard tout le mal-être que j'ai pu avoir et jusqu'où ça a été. J'ai juste à partir de quand j'ai arrêté. Oui, j'aurais mieux fait de commencer par autre chose avant, mais bon, tant pis. En 2021, je suis tombée enceinte. Avant, depuis un an, voire plus, j'avais beaucoup de malaise. J'ai développé plein
d'intolérance et d'allergie alimentaire. Et également, j'ai été jusqu'à faire des crises de spasmophilie très régulièrement. Je découvrirai plus tard que c'était à cause du gluten, entre autres. Pas que, mais surtout à cause du gluten. C'est-à-dire que j'ai tellement développé d'intolérance à certains aliments que le fait de trop manger de gluten me créait carrément des crises de spasmophilie. C'était horrible. J'avais l'impression que j'allais mourir et ça arrivait très fréquemment. Et je ne savais pas quoi faire. En fait. J'étais dans une impasse. Et ma chance, ça a été de tomber enceinte. Bon, je n'ai pas gardé cet embryon, ce fœtus, mais ça a été une chance pour comprendre des choses. Pendant que j'étais enceinte, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 5 semaines, mais quand même, en 5 semaines, on a le temps de... voilà. Pendant 5 semaines, bon, peut-être pas dès le début, mais au bout de 2 semaines de grossesse, j'ai commencé à avoir des envies carabinées, mais vraiment, des envies carabinées irrésistibles, de fromage, de viande, de... bref, de deux, parce que je ne mangeais même plus deux, hein, pour vous dire. De plein de choses, en fait. D'aliments qui venaient des animaux. Et ma maman, à ce moment-là, m'a dit, tu sais, quand on est enceinte, notre corps sait mieux que nous ce dont on a besoin. Si tu as autant envie de viande, de fromage, d'œufs, c'est peut-être que tu en as extrêmement besoin. Et moi, j'étais avec mes convictions, je voulais pas lâcher ça. Enfin, pour moi, c'était trop important de continuer à m'investir dans cette cause animale. C'était trop, trop important. En plus, ça faisait 5 ans que ça me travaillait. Que... pour moi, quand je suis rentrée dans le végétalisme, je me suis dit, plus jamais... je ne mangerai de viande, plus jamais je ne mangerai de fromage. C'est pour moi, dans ma tête, c'était terminé à vie. Donc imaginez l'ego qui s'interpose et tout, c'est compliqué. Donc là, ça faisait à peu près 2 semaines. Donc je venais juste d'apprendre que j'étais enceinte, bien sûr, hein, puisque mes comportements, très rapidement, moi quand je suis enceinte, je le sais très rapidement. Déjà parce que dans mon comportement, je change, mes habitudes alimentaires changent très vite. Tout, même ma sexualité, tout, c'est très rapide. Au bout de 2 semaines, déjà, je ne suis plus la même personne, tout à fait. C'est comme si mon instinct était plus fort que tout le reste. C'est vrai pour beaucoup de femmes, pas toutes. Mais c'est vrai pour beaucoup d'entre nous, pas toutes les grossesses, parce que en fait, c'est pas une question de femme ou pas, c'est une question de grossesse. Voilà, donc j'ai fini, un jour j'étais avec donc, la personne à ce moment-là de qui j'étais enceinte, et il était en train de manger du fromage, et j'ai commencé à manger du fromage, et c'était comme un soulagement presque. Et à ce moment-là, hein, j'étais mal... physiquement, j'avais trop de problèmes. J'ai eu des problèmes nerveux. Mais le système nerveux, mon nerf vague, en fait, mon esprit, ma psyché et mon ventre étaient complètement déconnectés. Or, c'est une connexion absolument indispensable. Tellement mon système nerveux était bousillé. Et ça, entre autres, parce que j'étais en carence extrême de vitamine B12. Et pourtant, je me suis supplémentée. J'ai pris de la spiruline, de la chlorella, du je sais plus quoi. Alors, je me suis pas fait les injections, vous savez, les piqûres qu'on peut se faire. Voilà. J'ai beaucoup manqué de glutamine parce que j'ai beaucoup, moi, eu du mal à synthétiser la glutamine. Normalement, c'est quelque chose, c'est un acide aminé, en fait, qui est très, très important, notamment pour l'intégrité de la paroi de l'intestin, qui est très importante. C'est un lieu d'échange tellement important. S'il est endommagé ou altéré, il y a une grosse difficulté d'assimilation des nutriments,
beaucoup de problèmes d'allergie alimentaire. Enfin, c'est. J'ai vraiment. Et ça, c'était un grand, grand, grand manque de glutamine. Et je me suis, avant, bien sûr, de reprendre à manger de la viande, etc., j'ai repris, j'ai fait j'ai pris de la glutamine en gélule. Et malheureusement, j'ai eu un problème. Je pouvais pas en prendre souvent parce qu'en fait, la glutamine, moi, me déshydratait. Si j'en prenais 3 jours de suite, j'avais la peau qui devenait comme une peau de lézard, quoi. Vous voyez, c'est très bizarre. Et je me suis rendu compte, en faisant des recherches, bien entendu, je me suis rendu compte que, en fait, ce qui est très bien, dans un sens, c'est que la glutamine mobilise beaucoup d'eau au niveau cellulaire, ce qui fait qu'on en a beaucoup moins à la surface de la peau, etc. Dans certains cas, quand c'est modéré, ça va. Mais dans des organismes qui, déjà comme moi, je pense que. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la. Comment on appelle ça, la. L'Ayurveda. Moi, je suis surtout Vata et Pitta. Et les Vata ont déjà un manque d'ancrage. Ils se déshydratent très facilement. Et voilà. Déjà, et ils sont très stressés. Donc voilà. C'est vraiment des choses qui font que on peut facilement se déshydrater. On peut très facilement manquer d'ancrage, comme je vous le disais tout à l'heure. Du coup, si en plus on devient végétarien, alors que énergétiquement parlant, la viande, on aura beau dire ce qu'on veut dans le New Age ou tout ce que vous voulez, la viande, énergétiquement, c'est un apport extrêmement précieux. Supprimer la viande quand déjà on n'a pas énormément d'énergie, on a un taux vibratoire bas, pour plein de raisons, qu'on est en plus stressé. Parce que les gens qui sont très stressés ont un système nerveux fragile. Or, la viande apporte de la vitamine B12, apporte du fer, apporte plein de choses qui permettent justement au système nerveux, bien sûr, si c'est de la viande saine, sans antibiotiques, élevée en plein air, etc. Si en plus on est très stressé, qu'on vit dans une zone où il y a qu'on travaille dans un endroit où il y a plein d'ondes électromagnétiques, etc., si on n'a pas en plus l'énergie, les nutriments derrière pour pouvoir contrer ce stress, si en plus comme moi on est du genre stressé, ça va être très compliqué de rester végétarien, et je parle juste de végétarisme, et d'autant plus végétalien, c'est encore pire. Et en étant naturopathe, j'ai observé aussi autour de moi que tout le monde ne peut pas être végétarien. Il y a des gens, oui. Il y a des gens, c'est un grand oui. Il y a des gens, ils peuvent être véganes, végétaliens, toute leur vie. Il y a une part de génétique, il y a une part de aussi comment je gère mon stress, comment se comporte mon système nerveux, comment j'ai la capacité à assimiler les nutriments, c'est très très important et on n'est pas tous pareils. Moi j'ai eu des très gros problèmes, j'étais dans une impasse médicale, franchement je ne savais plus quoi faire, je n'arrêtais pas de me complémenter, d'acheter comment dire, des compléments alimentaires et ça me coûtait très cher et en plus ça ne résolvait pas mes problèmes. Et mes problèmes ont arrêté, ont cessé. Lorsque ça faisait ou vraiment cessé. Alors j'ai toujours des intolérances alimentaires, etc., mais je pense que je les avais avant, sauf qu'avant je m'en rendais pas compte. Je pense aussi que quand on s'abîme le corps à tel point, on garde toujours des stigmates. Et moi, franchement, ça a mis des mois et des mois, presque un an, à se remettre vraiment, à retrouver un équilibre à peu près normal. Donc, avant de vous lancer dans le végétalisme, le végétarisme, enfin avant, surtout pendant,
Déjà, au niveau génétique, observez comment on se comporte, quels sont les besoins de votre famille. Je sais que ma maman, elle a eu des gros problèmes, elle aussi au niveau des intestins, de sa paroi intestinale, alors qu'elle n'a jamais ni été végétalienne, ni végétarienne. Donc imaginez, moi, quand je le suis devenue, à quel point ça a pu être dangereux pour moi. Si vous avez les moindres soucis digestifs, des soucis d'ancrage, où vous vous sentez déboussolé, où vous vous sentez pas présent dans votre corps, où vous n'avez pas la motivation, où vous êtes en dépression et que ça dure depuis des semaines et des mois, si vous avez des problèmes de flore intestinale, moi ça a bousillé ma flore intestinale, clairement, complètement déséquilibré. Si vous avez des pro vous commencez à vous sentir vous avez l'impression d'avoir des problèmes psychologiques qui sont pas le résultat d'un traumatisme ou d'événements ou de quelque chose qui est héréditaire, par exemple. Posez-vous toutes ces questions. N'allez pas, c'est très bien d'être en faveur de la cause animale, c'est très bien de vouloir sauver la vie sur Terre, la planète, etc. Mais déjà, le végétarisme et le végétalisme, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo si je sens l'impulsion, mais quand on regarde les choses de près, finalement, bah, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'écologie, c'est pas un idéal en fait, si on regarde ça de près. Je vous encourage à vous renseigner là-dessus. Il y a des avantages, mais il y a aussi des très gros inconvénients. Je vais juste vous donner un exemple. La culture du soja, ça demande énormément de place, énormément d'énergie, énormément d'eau. Il y a des déforestations, pour mettre du soja, pour nourrir des végétaliens, par exemple. Bah ouais, c'est pas forcément l'idéal en fait. Et surtout, mais si tu es sur Terre, c'est pas pour rien. Donc, ne sacrifie pas ta santé pour une cause. Ne sacrifie pas ta santé. Si t'es en vie, c'est pas pour rien. C'est pas pour que tu te sacrifies. Je pense pas, en fait. Voilà, moi, je suis sortie aussi. Ça m'a inconsciemment, je suis sortie d'une forme de sacrifice. Et pas seulement pour la cause animale. Hein. Du coup, ça s'est un peu appliqué dans d'autres domaines. Du coup, j'ai arrêté de me sacrifier, de me dire, mais en fait, j'ai le droit d'être en vie, moi aussi, j'ai le droit d'être en bonne santé. Et certains m'ont dit, ouais, mais tu t'es pas assez complimenté. J'ai pas arrêté d'acheter des compléments alimentaires. Certains, ça leur suffira. Moi, ce que j'ai compris pour moi, et je sais que c'est vrai pour d'autres personnes, pas tout le monde, mais si ça te parle, si ça résonne en toi, et si tu te dis, bah oui, il n'y a pas d'autre solution, moi, j'ai découvert que pour moi-même, en tout cas, il n'y avait pas mieux que d'aller chercher les nutriments par voie naturelle, là où elles sont, de manière naturelle. Voilà. Donc, je ne vous encourage pas à remanger de la viande ou à remanger des œufs ou du fromage. Je vous dis juste que si vous vous sentez mal, si vous vous sentez dans une impasse médicale parce que problème digestif, problème, bon, la candidose, ça crée plein d'autres problèmes, problème psychologique, problème nerveux, du système nerveux, mal-être, manque d'ancrage, tout ça, au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, c'est que peut-être il y a quelque chose à réajuster. Et j'insiste sur le fait que nous ne sommes pas sur Terre pour rien, si on est en vie. C'est parce qu'on a le droit de vivre. On n'a pas à se sacrifier. Par contre, si vous êtes végétalien, vegan, depuis 5, 10 ans et que tout se passe bien pour vous, vous êtes en pleine forme, ne changez rien. Voilà. J'ai pas de parti pris, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Juste, il faut rester à l'écoute de son corps. Et ne pas prendre des décisions pour sauver le monde. Sauvez-vous vous-même d'abord. Vous avez le droit d'être en bonne santé. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que j'ai été claire dans tout ce magma de. Voilà. Pour moi, nous ne sommes pas tous faits pour être végétariens ou végétaliens. Ça dépend. On n'est pas tous égaux là-dessus. Et si vous ne pouvez pas l'être, ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave. Il y a des gens qui peuvent l'être et qui veulent. Donc voilà. Je pense qu'il faut. Il y a un équilibre dans le monde et qu'on ne contrôle pas.
Je vous fais des gros gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye!